Bonjour tout le monde. Bienvenue encore à l'assemblée chrétienne Espoir et Vie et je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui nous euh, qui nous suivent euh, par euh, internet. Donc je fais ma deuxième bienvenue encore une fois ce matin. Et les gens trouvent ça un peu, un peu drôle que le pasteur fasse une bienvenue, mais c'est pour commencer l'enregistrement qu'on souhaite bienvenue à ceux qui, qui n'étaient pas là pendant les chants et pendant le début de, de la réunion. Et que vous puissiez être bénis ce matin à travers le message de la parole de Dieu. Le titre du message est Vers qui se tourner? Vers qui on peut se tourner? On a parlé beaucoup de vérité les dernières semaines. Que Jésus était la vérité, qu'on doit croire la vérité, que dans nos âmes, on doit avoir la vérité et non le mensonge et toutes sortes de faux raisonnements. Mais ce matin, on va encore parler un peu de, dans cette direction-là. Mais vers qui se tourner? Un jour, l'apôtre Pierre a affirmé sa foi envers Jésus même s'il comprenait pas toute chose, même si euh, parfois c'est ce qui arrive dans nos vies, on comprend pas toute chose, on réalise pas ce qui arrive même si on le disait un peu plus tôt, on, on voit les problèmes, on fixe nos yeux sur les problèmes, mais on a besoin de fixer nos yeux et de mettre notre foi sur celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus des problèmes et des circonstances, des tempêtes de nos vies. Donc un jour l'apôtre Paul a affirmé sa foi à Jésus même si euh, plusieurs l'abandonnaient. Même s'il comprenaient pas tout ce que Jésus enseignait ou Jésus apportait, il a affirmé sa foi. Plusieurs, à ce moment-là, avaient décidé d'arrêter ou de cesser de, de le suivre dans leur incompréhension des enseignements de Jésus. Mais dans Jean, chapitre 6, verset 68, on voit Simon-Pierre qui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Si on s'en allait, si on arrêtait de, se, de te suivre ou de te croire, à qui irions-nous? Vers qui on se tournerait Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Au verset 68 de Jean chapitre 6. Tu as les paroles de la vie éternelle. Éternel. Jésus, tu détiens la vérité. Croyez-vous la vérité Croyez-vous la vérité qui était en Jésus Mais Pierre affirme sa, sa foi dans Jésus, qui est la vérité, le Messie, le Sauveur du monde. Jésus euh, ne s'empêchait pas de, de, de proclamer la vérité de crainte de perdre des gens que des gens arrêtent de le suivre. On sait que Jésus apportait des enseignements directs, parfois difficiles à comprendre, mais ceux qui étaient convaincus comme Pierre continuaient de le suivre. Certains l'abandonnaient, mais d'autres affirmaient leur foi. Mais Jésus s'est jamais empêché d'apporter des enseignements, de proclamer la vérité comme elle, comme elle était, comme elle, elle était la vérité par crainte de perdre des gens. Même qu'il disait aux douze apôtres après que plusieurs aient décidé de plus le suivre, de plus suivre Jésus, il s'est retourné vers les douze et leur a dit, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme les autres? Jésus n'atténuait pas le message, le rendait pas plus attrayant pour les gens, pour garder plus de personnes avec lui. Il disait la vérité comme elle devait être dit. Son but n'était pas d'avoir plus de likes, euh, comme on, on, on voit sur Internet. Hein. Les gens disent des choses, prêchent des choses pour avoir plus de mentions « j'aime » sur leur message, pour avoir plus de, de personnes qui les suivent. Mais Jésus, il n'aurait peut-être pas eu beaucoup de likes sur Internet. Hein, mais il disait la vérité. Il disait la vérité. Il dérangeait même les gens avec la vérité. Même ses propres apôtres étaient bousculés parfois par ses enseignements. Mais... Ils affirmaient leur foi. À qui rions-nous? C'est toi qui as la vérité, la parole de la vie éternelle. Mais si ce pas vers Jésus qu'on se tourne vers qui on va se tourner. Si c'est pas vers Jésus, la vérité la parole de Dieu, vers qui on va se tourner? On va se tourner vers, vers vers autre chose, vers un autre? Qui on devrait écouter, qui on devrait suivre? La semaine passée, on parlait de temps difficile, si vous vous souvenez. Si vous vous souvenez du message, sinon, allez l'écouter, c'est un peu la suite de la semaine passé, mais on parlait de temps difficile où les gens déforment la vérité, les gens atténuent la vérité, même les croyants atténuent la vérité pour pas qu'elle dérange trop. Ils changent la vérité de Dieu en mensonge. On avait vu un passage qui apportait cette, cette vérité. Dieu a-t-il réellement dit C'est-tu vraiment ça que Dieu voulait dire ou que Dieu a voulu dire ou c'est-tu ça vraiment que Dieu veut qu'on fasse ou de cette façon-là que Dieu veut qu'on avance, qu'on marche. Et cette réalité-là de temps difficile, ça perdure depuis le début de la création, où, où les hommes ont voulu changer le message de Dieu, la vérité de Dieu, en mensonge, comme on le veut verset qu'on va voir un peu plus loin, encore, encore ce matin. Mais depuis le début de la création, avec l'ennemi, avec Adam et Ève au début, où ils disaient, Dieu a-t-il réellement dit de, de mettre le doute sur la vérité, de Dieu. Et même que la création de Dieu est l'une des vérités les plus attaquées aujourd'hui. Les gens ne veulent pas d'une création de Dieu parce qu'ils veulent pas d'un créateur. Et c'est pour ça que les gens font tout leur possible pour croire dans l'évolution même si c'est pas logique, même si c'est pas possible, même s'ils ne trouvent pas les preuves d'une évolution où il y a des chaînons manquants dans l'évolution. Ils cherchent, ils cherchent, investissent des millions, même des milliards pour trouver la particule de vie, pour essayer de trouver où la vie est partie, est débutée. Ils ne veulent pas d'un Dieu créateur, donc ils n'ont pas le choix de croire dans un, une évolution, même si ça prend plus de foi, de croire dans l'évolution que dans la création de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Dieu a-t-il dit, Dieu a-t-il fait? C'est la vérité la, la plus attaquée et la plus importante aussi. Il cherche à changer la vérité de Dieu en mensonge. S'il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de jugement à venir, il n'y a pas de ciel ni d'enfer. C'est comme si, si on, on élimine Dieu, ça fait l'affaire des gens d'éliminer Dieu. On ment sur la réalité de Dieu, la création de Dieu. On remplace la vérité par le mensonge. S'il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de Bible non plus. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu et la vérité qui est annoncée, la révélation de Dieu? Mais si Dieu n'a pas créé le monde et n'a pas envoyé Jésus, ou si on doute sur la création de Dieu, on est en train de dire que la Bible n'est pas vérité, parce que la Bible parle de la création dans la Genèse. Et si on dit qu'une partie de la Bible n'est pas vraie, le reste... On peut mettre le doute sur le reste de la parole de Dieu aussi, et dire, si ça c'est pas vrai, le reste aussi peut être faux. Donc, euh, s'il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de message non plus. On peut mettre le doute sur tout le contenu de la parole de Dieu. Le doute. On met le doute aujourd'hui dans le cœur des gens pour ensuite leur faire croire le mensonge et leur faire voir aussi les avantages, parce que de croire qu'un Dieu n'existe pas, il y a des avantages. Encore hier, on rencontrait quelqu'un qui, qui se disait athée. Oui, quelqu'un peut se dire athée, mais il y a des avantages d'être athée. C'est qu'il n'y a pas de Dieu, il y a pas de péché, je peux vivre comme je le veux. J'ai pas besoin de repentance, j'ai pas besoin de changer de vie, j'ai pas besoin de croire dans la parole de Dieu, de suivre les enseignements de Jésus ou de marcher en nouveauté de vie dans un monde qui s'éloigne des valeurs ou de la saine doctrine, comme on l'a vu l'année passée, euh, la semaine passée, pardon, dans Romains 1. Verset 25, il nous dit, il nous a dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en mensonge. <laughs> il est temps que le pasteur tombe en vacances, hein. Il tombe en vacances aujourd'hui pour quelques semaines, les trois prochaines semaines, on va avoir des, des prédicateurs invités de chez nous. Il va rendre André Marc, il va voir Michael, il va voir à Paul aussi qui vont nous apporter un message. Mais je pense que c'est bien mérité après une année comme ça. Euh, ça va faire du bien. Euh, au pasteur. Donc, ils ont changé la vérité en mensonge. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé, servent la créature ou ce que Dieu a créé, plutôt que le créateur lui-même qui doit être loué pour toujours, comme on l'a vu la semaine passée. La pensée de l'homme qui s'élève au-dessus de Dieu, qui s'élève au-dessus au de la révélation de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la vérité. Et souvent, ça, c'est subtil, c'est subtilement qu'on le fait. Deuxième Timothée, chapitre 4 où Paul parle de temps difficile aussi, où les, les gens ou les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, sa parole, les enseignements de Jésus, les enseignements de la Bible, de celui qui est venu rendre témoignage à la vérité, comme on l'a vu aussi la semaine passée, mais vont se détourner ou modifier, atténuer. Le message, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs, d'enseignants selon leurs propres désirs. Ils vont se tourner vers des fables ou des fabulations sur Dieu, des inventions sur Dieu, sur des doctrines, sur des croyances. Détourne l'oreille de la vérité pour la remplacer par autre chose. Mais vers qui vont-ils se tourner? Jésus, de son côté, lui prêche la vérité, enseigne, fait entendre sa voix. Au travers de nos vies, au travers de l'Église, au travers de sa parole, Jésus fait entendre encore sa voix pour que les gens puissent avoir le choix de suivre la vérité ou de croire le mensonge. Le bon berger, comme on l'a vu la semaine passée, fait entendre sa voix. Oui, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10, verset 11. Mais aussi, il est, il, est, il est conduit, ses brebis. Il marche devant elle, verset 4 de Jean 10, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent la voix de la vérité, suivent la voix de la vérité. Elles ne suivront pas un étranger. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, dit aussi Jésus dans Jean 18, verset 37. Suis la voix de Jésus. Tout ça pour en arriver à dire que la parole de Jésus, la parole de Dieu est indispensable. Jésus, la parole de Dieu, son message, la parole, la Bible est indispensable. La révélation de Dieu est indispensable. Connaissez-vous votre Bible? Hier, je rencontrais des jeunes chrétiens dans la foi. Puis ce qui me réjouissait, c'est que les gens ont lu toute la Bible, des chrétiens, des jeunes chrétiens dans la foi puis, il disait, on m'en passera pas. Il n'y a pas un homme qui va m'en passer. Il n'y a pas un pasteur qui va prêcher quelque chose que je ne vois pas dans la parole de Dieu. Et ça me faisait du bien de voir ça parce que je me dis, c'est, c'est ce qui nous garde. C'est ce qui va garder ces chrétiens-là, ces jeunes chrétiens-là, les, les garder dans la vérité. Telle pratique, ils entendent parler de toutes sortes de pratiques. Mais dis-moi, je ne crois pas ça. Je ne le vois pas dans la Bible. Je ne le vois pas dans la vie de Jésus. Je ne le vois pas comme enseignement des apôtres. Je veux croire ce la révélation la vérité de Dieu dans la parole et ça me faisait du bien de voir de jeunes chrétiens avoir cette cette optique là cette, cette pratique là dans dans leur vie. Amen. On a besoin de connaître nos bibles, l'enseignement qui est dans la bible, l'enseignement de Jésus et des apôtres. Mais dans l'histoire ce qu'on voit, c'est que les gens ont été trompés, comme ils le sont encore aujourd'hui, ont été trompés parce qu'ils connaissaient pas sa parole, ils ne connaissaient pas la Bible n'avait pas accès même à cette parole. On la traduisait pas dans, dans la langue commune des gens. Qu'est-ce que faisaient les gens Ils écoutaient les hommes. Ils ont été trompés par des, des hommes qui ont parlé au nom de Dieu, au nom de la foi, au nom de la religion. Ils ont, ils ont cru des fabulations sur Dieu. Ces hommes-là ne suivaient pas la voie du berger. Pas plus que de prendre la Bible comme autorité ou comme vérité. Il, était, il empêchait les gens même de lire la Bible. Si vous vous souvenez, les plus vieux, peut-être euh, aujourd'hui, ont vécu une époque où même on disait de pas lire la Bible. Ça pouvait vous nuire. Même ils disaient, vous pouvez devenir fou de lire la Bible. Ça vous mélanger. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, je vais vous dire la vérité. Et on, on, on sait ce que ça a donné et comment des gens ont été conduits dans l'erreur durant tout ce temps-là. Ces gens ne suivaient pas la, la voie euh, du berger. Ils étaient voilés eux-mêmes. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Et on sait euh, où ça conduit. Mais l'histoire se poursuit aujourd'hui. Comme je l'ai parlé la semaine passée, un peu plus subtilement peut-être. Mais encore des gens qui changent la vérité en mensonge. L'histoire se poursuit avec une majorité qui ne suit pas, n'entendent pas, ne comprennent pas, ne saisissent pas la voix euh, du berger. Ne la reconnaissent pas. Qui suit? Qui, qui ces gens-là vont suivre? La voix des hommes, la voix des enseignants d'aujourd'hui vont faire confiance à quelqu'un. Des médias, des politiciens, des scientifiques, des savants. Eux, on peut leur faire confiance s'ils ont de la connaissance puis des diplômes. Mais ces gens-là ont pas l'intelligence spirituelle et la connaissance de Dieu et des écrits bibliques. Beaucoup de gens vont croire les scientifiques ou vont suivre la majorité. La majorité va dans une direction, on prend le même bateau, et on s'en va dans cette direction-là. La pression populaire. Êtes-vous influencé par la pression populaire? Il y en a de la pression populaire. Et de cet ainsi, euh, je en, n'entrais pas dans... Dans le sujet, mais il y en a de la pression juste pour le vaccin. un vaccin pour vaccin, anti-vaccin ou pro-vaccin, ou pro ou pour ceci pro-cela, pour mais pour la foi, la religion aussi, ou peu importe, le mode de vie, Et c'est pas fini. c'est pas fini que les chrétiens aient de, de la pression face à une société qui est en majorité ne marche pas avec, avec Dieu. On n'a pas fini de voir la pression. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit, euh, on voit ce que, ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole pour la suite des temps. On n'a pas fini. Mais on a besoin, comme Pierre, de réaffirmer constamment notre foi. Il est le Christ. Il est la vérité. Il a les paroles de la vie éternelle. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner et non vers quelqu'un d'autre. Dans Hébreu 4, ça nous dit cette bonne nouvelle. La vérité, le salut en Jésus, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole ou la vérité qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouvait pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Et ça, c'est une réalité que l'on vit aujourd'hui. Bien sûr, l'auteur de l'épître aux hébreux fait allusion au peuple de Dieu, qui avait quitté l'Égypte pour la terre promise, mais il avait passé à côté des Promesse de Dieu, à cause de leur incrédulité, la parole ou le message, les directives que Dieu leur donnait pour prendre possession de la terre promise, a pas trouvé la foi. Et ils ont tourné en rond, on connaît l'histoire un peu. Le doute est entré dans leur vie, et ils ont été conduits à accepter le mensonge, comme on, on le voyait un peu dans la parole du début. Fixer les yeux sur les circonstances, sur les défis, sur les, les impossibilités, sur les géants, qui étaient dans la terre promise, qui gardaient ce pays, euh, plutôt que de regarder la puissance de Dieu, ont regardé ce que leurs yeux, ont fonctionné d'après ce que leurs yeux voyaient. Le mensonge a fait son œuvre dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas cru ou accepté la vérité. Le message, les directives de Dieu n'ont pas trouvé la foi. Plusieurs, n'avaient pas la conviction d'aller jusqu'au bout. Êtes-vous des gens convaincus? Ces gens-là n'étaient pas convaincus d'aller jusqu'au bout. Ils ont cédé à la pression des circonstances, la pression de la majorité, la pression de ceux qui pensaient différemment. Nous avons reçu la parole de Dieu comme ceux qui étaient dans le désert, en route vers la promesse, la terre promise, promesse de Dieu, en formation en vue de prendre possession de cette terre d'abondance, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Toute la différence de recevoir le message, la parole de Dieu, avec foi ou non. Mais on sait qu'au travers de ce peuple, c'était pas toutes des Josué et Caleb. Vous, vous souvenez l'histoire de Josué et Caleb, des hommes de foi qui étaient prêts à suivre les directives de Dieu, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, comme Dieu leur disait prenez possession, je vous donne le pays, avancez et combattez, s'appuyer sur la puissance de Dieu. C'était des gens convaincus, comme Pierre au début. Vers qui on se tournerait si on n'écoute pas Dieu Si on n'écoute pas la parole de Dieu, si on ne suit pas Jésus, vers qui on va se tourner et Josué et Caleb avaient abattu des forteresses. En dedans d'eux. Des forteresses, des faux raisonnements, des mensonges qui avaient peut-être acquéris au travers ces années d'esclavage. Des raisonnements aussi qui ont abattu concernant la logique humaine vis-à-vis -vis des circonstances. Il avait pas accepté la pression ou l'influence de la majorité. Parce que la majorité voulait retourner en Égypte. Il y avait la pression de l'incrédulité. Ils ont laissé tomber le doute, laissé tomber les faux raisonnements. Pourtant, ces gens-là, Josué, Caleb et bien d'autres qui les ont suivis, avaient vécu la même chose que les autres. Ils avaient été esclaves comme le reste du peuple. Ils avaient fait face aux mêmes difficultés, la même influence. Ils avaient vu, ils avaient vécu les mêmes miracles aussi. Ils avaient traversé la mer, ils avaient vu les plaies d'Égypte, la puissance de Dieu. Ils avaient traversé la mer. Que Dieu avait ouvert devant, devant eux, ils avaient vu les mêmes miracles, ils avaient vécu la même chose, mais dans leur cœur, c'était différent. Comme ça doit l'être pour nous aussi. La majorité des gens qui étaient là, euh, devant les directives que Dieu avait données, ça nous dit qu'ils avaient entendu le message, mais sans aucun profit. Car lorsqu'ils entendirent le message, ils l'ont pas reçu avec foi. Ils sont laissés influencer par ce qu'ils voyaient. Ils ont écouté la voix du mensonge, du doute, et ils ont choisi une autre voix que celle du bon berger. Comme plusieurs aujourd'hui, comme peut-être nous pendant un certain temps, on entend le message. Mais ce message sera d'aucun profit s'il n'est pas reçu avec foi. Plusieurs aujourd'hui devant l'offre du salut, même s'il est gratuit, ce message va être d'aucun recours s'ils n'y mettent pas de la foi. C'est comme les promesses de Dieu, toutes les promesses qu'on a dans la parole de Dieu, c'est comme les enseignements qu'on a aussi. La saine doctrine qui est rejetée par beaucoup et même des croyants. On voit dans cette réalité la parabole du sommeur, qu'on va juste regarder quelques parties de cette parabole rapidement dans Luc 15, qui nous parle de ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ça, c'est l'Église Espoir et Vie. Assemblée chrétienne Espoir et Vie sont ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Je l'espère sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La parole, le message, trouve la foi chez ceux qui l'entendent, qui la reçoivent. Mais vers qui irions-nous d'autre? Vers qui on va se tourner autre que de croire la semence et qu'elle puisse porter du fruit en lui, qui est la vérité, il est la parole ou les paroles de la vie éternelle. Il est le Christ, le Saint de Dieu. Il est celui qui est venu rendre témoignage à la vérité dans nos propres vies, dans nos propres cœurs, au travers de la révélation de sa parole, qui est bien sûr appliquée par l'Esprit de Dieu, selon la vérité. La semence dans la bonne terre. Mais pour d'autres, comme on vient de le voir, la parole qui a été annoncée, servit à rien. Parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendaient. Comme on a l'impression, des fois, que la parole est prêchée, parole est prêchée, mais on a l'impression que ça porte pas de fruit. Mais ça dépend pas de la Bible, ça dépend pas de Dieu. Le problème, c'est dans l'âme, souvent, où le doute est, ou où, où la foi n'est pas. Aujourd'hui, on se retrouve devant une multitude de personnes qui disent croire. Croyez-vous des, Connaissez-vous des gens qui disent croire Comme ceux qui ont abandonné Jésus, ils croyaient en Dieu. Ceux qui ont abandonné Jésus, ils croyaient en Dieu. Ils ont continué leur vie en croyant en Dieu, mais pas en suivant Jésus, en croyant à la parole de Jésus. Ils ont continué d'être des croyants des Juifs, mais ont rejeté le berger qui venait rendre témoignage de la vérité. Leur foi restait superficielle. Ils croyaient le mensonge, laissaient entrer le doute. Et c'est ce qui dirigeait leur vie. La pression des autres aussi. Aviez-vous des amis, si vous avez accepté le Seigneur, si vous marchez dans ses voies, aviez-vous des amis, lorsque vous vous êtes convertis, qui mettaient de la pression pour vous empêcher ou vous détourner du choix que vous aviez fait de suivre Jésus, de suivre sa parole, d'aller à l'Église? Encore hier, on entendait des témoignages, je trouvais ça bon. La pression des gens. On a été délaissé peut-être par des gens, la pression de, 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 de nos familles, peut-être, qui ont dit tu t'es fait embarquer, ou peu importe la pression qu'on a pu subir. Mais il y en a qui acceptent cette pression et se laissent détourner par cette pression, le doute, le mensonge, mais la pression des gens aussi. C'est la parabole du sommeur que Jésus a apporté. Plusieurs raisons qui font que la parole ne produit pas son fruit. Dans Luc 8, verset 13, Jésus parle de semences dans un endroit pierreux. Donc la parole est reçue. Mais quand l'épreuve vient, quand les difficultés viennent, l'opposition, la pression des autres vient, les gens abandonnent, baissent les bras. Lorsque la tentation vient, les gens se détournent. Choisissent comme le peuple de Dieu devant la terre promise les promesses de Dieu de tourner en rond plutôt que de faire confiance et d'avancer. Baisse les bras. Un peu comme le peuple de Dieu qui chantait lorsqu'ils ont traversé la mer et ont vu la puissance de Dieu ils sont mis à chanter. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Le cheval et son cavalier ont été jetés dans la mer. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, comme on l'a chanté un peu plus tôt. Mais le peuple était comme ça mais devant la pression des circonstances ils se détournaient devant la conquête des villes qui étaient aux mains de l'ennemi ils ont décidé d'abandonner de succomber ils ont succombé même qu'ils ont voulu ils en suivre un autre et retourner en Égypte ils se dirent l'un l'autre nommons-nous un chef et retournons en Égypte retournons en arrière notre ancienne man manière de vivre c'était bien plus simple comme ça c'était bien plus facile on n'a pas de pression, on n'avait pas de main. Il était esclave, puis il s'en souvenait plus, on dirait. L'ancienne manière de vivre. Luc 8, verset 13, comme je le disais, la semence sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendirent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. ils ne sont pas enracinés dans la vérité, ils ont une foi superficielle. Ils croient pour un temps, ils, ils succombent au moment de la tentation. Ou comme les disciples, dans le passage du début, devant un enseignement qui est plus difficile, ils abandonnent. Ils rejettent cet enseignement. Ils ne suivent pas au plus la voix du berger, la parole de Dieu ou les enseignements de la Bible. On a la semence parmi les épines aussi, un peu plus loin au verset 14. La parole qui est reçue également, mais la parole qui est étouffée. La semence dans les, épines, dans les épines, la parole est bâillonnée et souvent placée euh, en bas sur la liste des priorités. Lorsqu'on lit le passage, ça nous dit :« Ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Les gens ont reçu la parole, ils ont cru, ou ils peuvent dire croire, mais servir la créature ou ce que Dieu a créé plutôt que les créateurs, au lieu du créateur lui-même qui doit être loué pour toujours, comme on le lit dans Romains 1, 25. Ils ont entendu, ils ont reçu le message, mais sans aucun profit. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Par chance qu'on n'a pas des gens comme ça dans l'Église du Seigneur Jésus qui connaissent la vérité. Mais ça nous dit que ceux qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tout se passe à l'intérieur. On a parlé les dernières semaines comment dans l'âme, euh, il y a des données qui ont besoin d'être transformées. Tout se passe à l'intérieur. Et souvent, dans notre parcours, lorsqu'on lit euh, ces passages ou qu qu'on réalise euh, le, le, le défi ou euh, le danger, on réalise qu'on a des forteresses dans nos âmes à renverser ou des raisonnements qui ont besoin d'être renversés à plusieurs niveaux. Et euh, on en a parlé dernière semaine, mais parfois on a besoin d'abattre ces forteresses et ça peut se faire volontairement. Avez-vous déjà abattu des forteresses parce que vous vouliez les abattre dans vos vies? Vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui clochait et vous avez demandé l'aide du Seigneur. Dieu se révèle par sa parole du Seigneur, ça marche pas dans ma vie. Viens, j'ai besoin. Volontairement, on abat ou on travaille à abattre des forteresses et bien sûr, on le chantait encore aujourd'hui, je trouvais ça bon, que c'est par la grâce que Dieu, que Dieu nous donne qu'on réussit à changer et mener une vie différente. On voit le problème, on voit qu'on a des forteresses ou des raisonnements ou des mensonges qu'on a besoin de renverser. On le voit, on le veut, on le demande. Et par la grâce de Dieu, la révélation, la semence est tombée dans la bonne terre puis on porte du fruit. Merci Seigneur! C'est ce qu'on fait depuis le début de notre conversion. Je l'espère qu'on travaille dans, dans ce sens. Mais d'autres fois, on a besoin d'être poussé un peu dans le dos. Avez-vous été poussé un peu dans le dos? par le Seigneur, par l'Esprit, ou par un frère, ou le Pasteur. Des fois, on est poussé, un peu. Par la force des choses, on apprend. Comme le Fils Prodigue. Vous connaissez l'histoire du Fils Prodigue? On l'a peut-être, à certains niveaux, on l'a peut-être tous vécu, un peu, le Fils Prodigue. On s'est éloigné, on a payé le prix, puis on est revenu, puis on a appris. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Une histoire abrégée. Ou, comme on le voit dans le psaume 107 aussi, où les gens, dans leur détresse, crient à l'Éternel. Et c'est là que Dieu les délivre. C'est quand il crie à l'Éternel que Dieu les délivre. Lorsque j'ai crié, Dieu a entendu, Dieu me délivré, Dieu me sauver Dieu me conduit, psaume 107. C'est là que euh, Dieu peut les faire sortir des ténèbres. Verset 14, je ne sais pas si j'ai mis les versets. Verset 14, c'est là que Dieu peut rompre les liens. Lorsqu'on crie à lui dans notre détresse, on est conscient de ce qui a besoin d'être abattu, les liens qui ont besoin d'être brisés, et l'Éternel vient. C'est là qu'il peut envoyer sa parole, verset 20. Envoyer sa parole, Jésus-Christ, dans nos vies, la vérité dans nos vies, et qui fait le ménage dans l'âme, mais c'est là qu'on peut euh, être guéri, nous dit la parole. Guéri dans l'âme, et pas simplement dans un corps physique, mais dans l'âme, ce qui est plus important. C'est là qu'on peut sortir de notre fosse. C'est là qu'il peut arrêter la tempête et ramener le calme aussi lorsque vous lisez le verset 29 du psaume 107. C'est là que les gens sont capables de se réjouir, verset 30, et que l'Éternel est maintenant capable de les conduire au port désiré, à la bonne place, parce qu'ils ont décidé de suivre la vérité, de suivre la parole de Dieu. Mais jusqu'à ce jour-là où les gens crient à Dieu, souvent, la parole ne sert à rien, elle ne porte pas son fruit, à moins qu'elle trouve la foi. Croyez-vous ça? Dans le Psaume 107 aussi, au verset 11, l'étude, oui parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. C'est là qu'ils sont devenus esclaves, c'est là que, euh, euh, par la suite, leurs souffrances, ils ont crié à Dieu et Dieu les a délivrés. Mais à quelque part, la parole n'avait pas porté son fruit, parce qu'ils l'avaient méprisé, parce qu'ils s'étaient révoltés contre cette parole. Euh, pas par leur bouche, mais par leurs actions, bien sûr, parce qu'on peut confesser la parole de nos bouches, mais pas la vivre. À quelque part, on, on la réunit d'une façon euh, ou d'une autre. Dans Luc, on va regarder une histoire dans Luc, verset 39, et on va terminer avec cette histoire-là. Dans Luc 23, verset 39, il y avait Jésus qui était crucifié. Et de chaque côté, il y avait quelqu'un qui était crucifié, un d'un bord, un de l'autre. Vous connaissez l'histoire. Entre deux criminels, des gens qui n'avaient pas mené une bonne vie. Ça nous dit au verset 39 que l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus. Il disait, N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. À quelque part, cet homme ce criminel avait entendu le message de Jésus. Il savait qu'il était le Christ ou qu'il se faisait appeler le Christ ou le Messie. Il lui disait, Sauve-toi, mais sauve-nous. Sauve-nous aussi, mais cette foi-là ou cette connaissance ne l'a pas sauvé pour autant. On connaît souvent des gens qui vont venir au Seigneur, vont dire ⁇ Sauve-nous, délivre-nous de ce problème-là ⁇ J'ai vu des gens venir en pleurs vers Dieu pour avoir une délivrance d'une situation, une intervention divine dans leur vie ou leur situation, mais sans jamais naître de nouveau, sans jamais accepter Christ pour le sauveur de leur vie, de leurs âmes. De connaître des choses, c'est pas suffisant. L'autre, qui était de l'autre côté, disait à ce premier :« Ne crains-tu pas Dieu N'as-tu pas la crainte, le respect de Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui Pour nous, c'est justice. On mérite ce qu'on vit. Le jugement. » qu'on subit, on le mérite, car nous recevons ce qu'ont qu mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais au travers de ça, on a, on a vraiment la confession de foi pour être sauvé, la crainte de Dieu. Un des deux avait cette crainte de Dieu. Pour nous, c'est justice, mais lui est juste. Lui subit une condamnation qu'il n'a pas méritée, mais nous, on mérite cette condamnation. On a cette confession de foi pour être sauvé. Jésus est devenu justice pour tous ceux qui placent leur foi en lui, y compris cet homme-là qui a cru en Jésus à la fin de sa vie. Comme j'ai cru que Jésus était ma justice, je méritais le châtiment qui est tombé sur Jésus. Mais j'ai cru qu'il le subit à ma place, et je suis délivré du jugement. J'ai pas à souffrir la croix parce que Christ le souffert pour moi. Pas seulement croire qu'il existe, pas seulement croire qu'il est mort sur une croix, mais de croire que Jésus est notre justice, que Jésus était sa justice. Pas simplement de lui demander de régler des problèmes. Oui, Dieu, Dieu a promis qu'il prendrait soin de nous, qu'il pourvoirait à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus, mais on sait que le, le, le plus grand besoin qu'on a, c'est le salut de l'âme, c'est qu'il devienne notre justice, c'est le jugement qui nous est réservé, que Jésus a pris sur ses épaules. Et ce... Cet homme qui était crucifié à côté de Jésus s'est retourné vers lui et dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, « je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. Au paradis. Quelle bonne parole qu'on a le goût que Jésus nous dise le, la veille de notre mort. Mm. Combien de temps au purgatoire il a dû subir? Mm. Combien d'autres religions, combien d'autres croyances, de fabulations sur Dieu? Mais on pourrait se poser la question. Pourquoi cet homme-là s'est pas converti avant Pourquoi c'est pas qu'on il connaissait le message Il y avait une crainte de Dieu, il avait une connaissance du message, il savait que Jésus était le Messie. Il avait vu, probablement des miracles, il avait entendu dire que Jésus faisait des miracles. Il savait mais sans croire, sans mettre sa foi dans le message de Jésus. C'est pas pour rien qu'il s'est ramassé sur la croix à côté de Jésus. Il savait bien des choses sur Jésus. Mais il n'avait pas encore placé sa foi dans la vérité pour être sauvé, pour que la semence porte son fruit. Il avait entendu le témoignage de la vérité. Il savait que c'était injuste pour Jésus. Il croyait que le royaume de Dieu existait. Peut-être plus que beaucoup de personnes qui croient en Dieu, il avait une, une croyance, une foi dans le royaume de Dieu. Mais jusqu'à ce jour-là. La parole qu'il avait reçue n'avait pas porté son fruit. Il n'avait pas reçu avec foi, on pourrait dire, elle n'avait servi à rien. Elle n'a été d'aucun profit jusqu'à ce jour. Pas encore, du moins, parce que ce qu'il a entendu a porté du fruit le jour où il était sur, sur la croix à côté de Jésus. Et bien sûr, au travers on peut voir la parabole du sommeur, parce que tout au long de sa vie, la parabole du sommeur a fait son effet. L'ennemi peut-être est venu voler la semence dans le cœur de la personne, les épines l'ont empêché de porter du fruit qui vienne à maturité, ou il a accepté un message avec, avec joie, mais ça, ça a pas duré, peu importe. La parole qu'il avait reçue n'a pas porté son fruit, comme elle aurait dû, jusqu'à ce jour-là. C'est seulement quand tout s'est écroulé, pour lui, qui a abandonné, qui s'est abandonné complètement par la foi dans la vérité. C'est là qu'il a laissé tomber ses forteresses. Ses forteresses de faux raisonnements qui l'empêchaient de s'abandonner par la foi dans la vérité. C'était mon cas. J'ai pas été crucifié avec Jésus. Quelque part, il s'est passé bien des choses. Je me vois plus comme le fils prodigue comme, que comme cet homme qui était crucifié avec Jésus. Mais bon. Mais ce jour-là, tout s'est écroulé pour lui. Même si cet homme-là avait un trésor de cachet, avait un compte en banque, un fonds de pension, ou peu importe s'il était riche, il avait accumulé des choses, des richesses. Même s'il avait des amis, même s'il avait des passe-temps, même s'il avait une relation amoureuse, même s'il avait une famille, des enfants en grand nombre ou des projets d'avenir. Toutes les forteresses de son âme se sont écroulées ce jour-là. Il s'est rendu compte qu'il n'y a plus rien qui comptait était au pied du mur. Toutes les mensonges qui l'avaient conduit à servir peut-être la créature ou ce que Dieu avait créé, plus que Dieu lui-même, tout ça, ça s'est écroulé. Son corps était sur la croix, mais son âme aussi, ses raisonnements, ses projets d'avenir, tout était sur la croix ce jour-là. Son âme aussi. La mort a permis, comme on l'a vu dans les dernières semaines, la mort de son être intérieur ou son abandon ou, a permis que la, la manifestation de la vie de Jésus dans, au travers de lui, la vie de Christ, la gloire de Jésus dans sa vie, c'est ce que ça a permis. Mais il a attendu que tout son orgueil soit anéanti ou tout ce qu'il faisait qui s'élevait au-dessus de la parole de Dieu des du salut de Dieu, du message de Jésus, tout ça soit anéanti avant de se donner au Seigneur ou d'accepter par la foi le message. Il a abandonné. Sur la croix, il a abandonné. Il a remplacé les fausses données. Ce que l'autre homme à côté n'a pas fait. C'est ce qu'on a fait le jour où on a accepté Jésus. Vous souvenez-vous le jour où vous êtes tourné vers Jésus? Vous l'avez accepté? On a abandonné, on s'est abandonné dans les mains du Seigneur. On a accepté Jésus, le chemin, la vérité, la vie. On a abandonné bien des fausses données aussi à partir de ce jour-là. Seigneur, prends ma vie, je crois. Seigneur, pardonne-moi, comme l'histoire du Fils prodigue. Il est important de recevoir toute notre vie ou notre vie chrétienne. De recevoir la parole dans la bonne terre. À quelque part, je, vais avoir, je, je devais avoir une terre pas pire parce que je me suis converti. À mi-chemin, même si j'ai résisté, un jour, je me suis converti. Mais il est important aussi de semer la parole, de la recevoir dans la bonne terre, mais de semer aussi la parole. On ne sait pas où vont être les personnes qui nous entourent demain. Dieu le sait, Dieu connaît toutes choses, mais on suppose que les gens qu'on rencontres qu'on côtoie vont être demain. C'est sûr que beaucoup de ceux qui ont entendu la parole, peut-être dans la vie de ceux qu'on a sommé, vont entendre de se trouver dans cette situation-là. Pas d'être crucifié, parce que c'est rare que les gens se font crucifier aujourd'hui, mais d'être dans une situation de détresse face, peut-être, à la mort. Ils vont, dans ce moment-là, avant de quitter euh, accepter le Seigneur, accepter le message qui leur a été annoncé. Dans un temps d'impuissance ou d'un temps de souffrance, ils vont se tourner vers Jésus, comme nous on a fait pour plusieurs. Les gens pour réaliser qu'est-ce qui est important. Et on a eu, il y a pas si longtemps, le témoignage de Steve Job, Job qui, c'est pas à moi de juger où il s'est rendu, mais à quelque part, il a regretté sa vie parce qu'il avait manqué. Puis il trouvait, même s'il était milliardaire, plusieurs fois milliardaire, euh, il avait passé à côté de sa vie. Il réalisait que même tout son argent, il n'y très rien, et qu'il avait perdu du temps à essayer de gagner sa vie. Mais peu importe, parfois les gens, à la fin de leur vie, euh, c'est là qu'ils réalisent l'importance. C'est là qu'ils vont décider d'abattre les forteresses, abandonner les faux raisonnements et mettre leur foi pour croire dans la parole. Mais est-ce que les gens vont avoir le temps de le faire? On se pose souvent la question. J'ai failli mourir avant de connaître le Seigneur et c'est ça. Je me suis posé la question. J'aurais jamais eu le temps d'accepter le Seigneur à ce moment-là. C'était une grâce de rester en vie. Et peut-être ça vous est arrivé aussi, mais est-ce que les gens qui nous entourent vont avoir le temps de le faire? De changer d'idée. Fait qu'ils n'auront pas le temps. Comme le fils prodigue, il a eu le temps, il a eu le temps de changer d'idée puis de entrer en lui-même puis de réaliser euh, cest à quoi la vraie vie. Mais l'homme crucifié à côté de Jésus a eu le temps aussi. Il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps de penser au message de celui qui était crucifié à côté de lui. Il a eu le temps d'y parler. Mais c'est pas toujours le cas. Simplement cette semaine les nouvelles qu'on a entendues, je termine bientôt. Faites-vous en peau. Simplement, les nouvelles qu'on a entendues cette semaine, une populaire influenceuse d'originaire d'Hong Kong est morte tragiquement samedi en tombant du haut d'une cascade alors qu'elle prenait un égo portrait. Tu sais, aujourd'hui, pour avoir des likes, faut que tu fasses des affaires qui sont un peu hot pour que les gens cliquent j'aime. Mais elle, elle prenait un égo portrait suspendu à quelque part. Puis cette fois-là, euh, ça a fait toute une photo. 32 ans. Je ne suis pas sûr qu'elle s'attendait que ça arrive ce jour-là. Elle a glissé sur un rocher pour ensuite tomber euh, dans un bassin de 16, 16 pieds plus bas. On s'entend que 16 pieds, on a qui survivent. 16 pieds, me semble, c'est pas si haut que ça, mais elle est décédée. 32 ans. Elle était populaire. Mais ça comptait plus. Une populaire influenceuse culturiste a perdu la vie tragiquement le 7 juillet dernier dans une intervention chirurgicale permettant de réduire la transpiration. C'est bien banal. L'anesthésie a fait en sorte que le cœur a arrêté de battre. 23 ans. Je ne suis pas sûr qu'elle s'attendait de ne pas se réveiller. Elle alimentait un compte Instagram régulièrement avec... Ses photos culturistes et son passe-temps, je ne sais pas. suivi par près de 150 000 personnes. Wow! 150 000 personnes. Nous, la Prédication Espoir et Vé, on a eu 300 vues cette semaine. On a 272 personnes qui suivent la page sur YouTube. 150 000 personnes la suivaient. Wow! 23 ans. C'était plus trop important le nombre de likes ou le nombre de vues. Sauf peut-être pour permettre aux gens qui l'ont connu, qui l'ont suivi, de réaliser que la vie ne tient à rien. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne connaît pas l'avenir. Mais est-ce qu'elle a eu le temps, elle, de se tourner vers Jésus? Ou ces gens-là, ces, 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 ces femmes-là? Il y en a eu d'autres aussi que j'ai regardé les nouvelles. 57 ans, 50. C'est jeune, 57, 58. C'est vraiment jeune. C'est mon âge. Mais, blague à part, est-ce que ces gens ont eu le temps? Est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus un jour? Peut-être. Gloire à Dieu, s'ils étaient des chrétiens nés de nouveau. Ça peut arriver. Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Mais quand tu chutes... C'est dur d'avoir le temps de réfléchir, d'entrer en toi-même, puis de penser au message que tu as reçu. C'est pour ça que c'est important de semer, mais de recevoir aussi le message dans la bonne terre, parce que personne ne connaît l'avenir sauf Dieu. Vers qui irions-nous? Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il est le Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, assure-toi d'avoir reçu le message ou la semence dans la bonne terre pour que ça puisse porter du fruit. Que ce soit le message du salut, que ce soit les enseignements de la parole de Dieu, que ce soit les promesses qui te sont annoncées, assure-toi que la parole tombe dans la bonne terre. Mais y fois, suis la parole et elle va porter un fruit qui demeure. Et bien sûr, pour le salut jusque dans l'éternité. Et ça, c'est une réalité. Alléluia. Il y a tellement de paroles de Jésus, j'ai coupé une bonne partie de l'enseignement ce matin. Mais il y a tellement de paroles qui ne sont pas reçues avec foi et qui font en sorte que les gens tombent en rond. Que le Saint-Esprit puisse l'appliquer à vos vies, à ceux qui entendent ce message et à qui vous pouvez partager la parole de Dieu aussi. On va prier en terminant. Demandez au Seigneur de d'intervenir dans nos vies, nous aider à avoir un cœur bien disposé pour recevoir sa parole, les enseignements de la Bible, la saine doctrine, le message du salut. Et pour ceux qui connaissent pas le Seigneur, que cette parole puisse porter son fruit, qu'ils puissent réaliser qu'ils ont besoin d'un grand respect de Dieu, besoin de réaliser que Jésus est mort, a subi le châtiment que méritait leur péché. Que Jésus est juste et le fait par amour pour nous par obéissance à son Père qui aimait le monde et qui a voulu leur donner le moyen, le moyen d'être sauvés. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie que ta parole puisse porter son fruit par ton Saint-Esprit, que ceux qui ne te connaissent pas, que se tourner vers toi ce matin, non pour recevoir un miracle dans un, un, un besoin quelconque, mais un miracle dans l'âme, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent réaliser que tu, tu, tu es mort pour eux, par amour pour eux, prendre le châtiment que méritait leur péché. Seigneur, par ton Saint-Esprit, fais leur connaître ton amour au travers le sacrifice, et que ce sacrifice puisse produire la vie, Seigneur, en eux, éternel, que les gens... Ne disent pas je vais attendre, peut-être plus tard. Ah oh, j'ai, c'est un bon message mais je vais y penser. Que les gens puissent réaliser que la vie est fragile, qu'on connaît pas l'avenir. Seigneur que ceux qui entendent le message puissent prendre une décision, dire oui, j'accepte Jésus, son sacrifice pour mes péchés. Je demande pardon pour mes fautes. Et je veux recevoir le miracle de la nouvelle naissance, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Éternel, je te prie pour d'autres aussi qui ont des besoins dans leur vie, qu'ils puissent saisir la vérité de la parole de Dieu concernant ta puissance, concernant peut-être la guérison, la transformation intérieure également, la puissance pour briser les chaînes qui les tiennent captifs dans certains péchés de leur vie. Tu veux les conduire à la liberté. Je te prie, ô Éternel, que ces gens puissent recevoir ta parole avec foi, afin qu'ils puissent porter son fruit, qu'ils puissent avoir le profit de ta parole qui est acceptée par la foi. Éternel touche, ô Dieu. Alléluia. Que des gens qui vivent dans la crainte puissent te faire confiance et trouver leur paix en toi, Seigneur, dans ta parole. Tu es celui qui veille sur tes enfants. Éternel, peu importe ta parole qui est annoncée, peu importe l'enseignement, peu importe la promesse, que vraiment la foi puisse accueillir cette parole et que ça puisse porter son fruit. Par ton Saint-Esprit Père, je te prie que tu puisses agir ce matin et que ta parole devienne vivante. À toi la gloire. Merci Seigneur. Amen. Voici à tes pieds Dieu, je viens pour t'implorer Oh, j'ai besoin Oh, besoin de toi Avançant dans ce désert Assoiffé sur cette terre Oh, j'ai besoin Oh, besoin de toi Ta miséricorde Est comme un doux Comme le son d'une symphonie Comme l'eau Ta grâce j'en ai besoin chaque jour c'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer jamais je n'oublierai ta grâce j'en ai besoin chaque jour c'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer jamais, jamais je n'oublierai ta grâce, ta grâce. J'en ai besoin chaque jour, c'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je ne dirai ta grâce. J'en ai besoin chaque jour, c'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer, ta miséricorde, et comme tout miel posé sur mes résonne comme le son d'une symphonie